Nous revoilà dans la deuxième partie de ce test de Homefront, dans la partie en ligne, bien sûr, le multijoueur, pour qu'on puisse aller au-dessus du niveau 5 d'expérience, il faut avoir un code unique dans le jeu, pour tous ceux qui auraient piraté le jeu, ou... Donc voilà. Alors on va trouver une partie, match à mort par équipe, j'ai pas eu le temps de l'explorer, c'est un peu un sort de direct live, hein. Donc c'est la première fois que j'ai joué en ligne à Homefront. On va passer. Vous pouvez gagner des points de combat pour capturer des objets encore plus quand vous les défendez. D'accord, ok. D'accord. Et aussi entre... Enfin, pour revenir un peu dans le premier test, ce que j'aime pas, c'est quand on se fait hit, quand on est mort, il y a un temps de chargement assez long qui énerve un peu, donc voilà quoi, ça qui est un peu énervant, ça casse un peu le rythme du jeu. Donc voilà. Les chargements sont un peu longs là, putain. Allez, le contre-mesure des véhicules vous protège contre les frappes. Ouais, mais on s'en fout là, j'ai envie de jouer moi. Ah enfin, c'est bon. On va prendre assaut, hein. Je vais pas me prendre la tête. Ah, on va voir tout le monde. D'accord, ok, ça marche. Ah, parce qu'en fait, j'ai peut-être modifié un peu ma configuration tout à l'heure et ça a pas marché quoi. Je voulais tirer, ça marchait pas. Oh putain, le con! Ah, bien joué. Ah, bien joué. C'est lui qui m'a tué. D'accord, ok. On peut déjà voir où sont nos ennemis. On a une petite idée. Mais on a toujours la carte, hein, pour tous les habitués de... Bon, j'ai une petite grenade par là. Hop. Je sais pas ce que c'est comme grenade que j'ai lancée, là. Ok, je suis coincé, c'est magnifique. Ça, c'est pour les campeurs, ça. Je vais suivre lui. Oh putain! Je crois que j'ai vu quelqu'un au-dessus. Non. Oh putain! Oh putain, bien joué. J'ai été tué par R.S. Jericho. En SD, c'est pas terrible, hein. Franchement, là, je joue en SD sur un grand... C'est un grand écran et franchement les graphismes sont un peu moches, je suis pas habitué. Bon, c'est pas une excuse non plus. Oh l'enculé. Un coup de grenade dans la tête. Il doit être là. Tiens, voilà, dans ta face de rat. Je vais un peu à la Bourrinos. Oh putain, bien joué. Là t'es plus rapide que moi. Ah, il y en a à droite. Ah, apparemment on a perdu. 11 300, ouais, j'ai rejoint une partie. Ouais, je suis dernier bien sûr. J'ai tué un ennemi, je me suis fait tuer 3 fois. Voilà. Donc voilà pour le en ligne qui a l'air pas mal, hein. Franchement c'est peut-être que je vais peut-être plus explorer le en ligne que le solo. Bon, le solo j'ai le terminé une fois et après je vais plus entendre parler, mais le en ligne est pas mal, il y a beaucoup de joueurs, hein. Ah ouais, ah, il y en a déjà, ils sont rang 11, ah ouais quand même, hein. Veto carte suivante. Ou... Ah, c'est pour le vote, c'est ça? Ouais, mais là, je comprends. Arsenal, ça doit être la classe. Mitraillette lourde, sniper. Mitraillette. On a un gilet pare-balles. On a... D'accord, ah d'accord, si on a 300 points, on peut activer le gilet pare-balles. Si on a 500 points, on peut
utiliser le sort de RCXD de Call of. D'accord, il y en a flashbang et un viseur point rouge avec. D'accord, rechargement tactique sur la hanche. D'accord, d'accord. Ok. On est toujours à la map pleine. D'accord, je comprends le jeu. On va changer, on va prendre mitraillette. Et infanterie. Ouais, on va rester infanterie. Dans 4 secondes, le match commence. Je pense que je vais rater après cette manche-là. Et c'est parti. On va voir du fumier. Allez, c'est parti. Je sais pas où est-ce que je vais. On va se mettre à couvert un petit peu. Personne là. Voilà. Ça c'était beau ça, elle a voulu monter dans l'échelle, je joue le gros campeur. Allez, tout doucement. Oh putain le con. Ah oh, par derrière l'enculé de Dark. Ah oh, le fumier. L'ordure. Ah, l'enculé par derrière. Ah, j'ai activé le gilet pare-balles. Voilà, ça c'était beau ça. Voilà. Je lui ai rendu son appareil à Dark, je sais pas quoi là. Et alors, tu veux que je fasse quoi? Apparemment, la zone rouge. Oh putain! C'est qui me hit? Faut que je reste là. Je vais me planquer. Oh putain! Oh putain! Bien joué, bien joué. Je sais pas qui. Ouais, sniper, j'en étais sûr. Des campeurs de merde. Mais je sais où tu es maintenant, mon gros. Je sais où est-ce que tu es. Et je vais te niquer ta mère. Oh, bien joué. Ah, ouais, d'accord. Je crois que je peux le débloquer maintenant. J'ai assez de points pour le débloquer. Attendez. Ah ouais, ouais, ouais. Merde. Merde, qu'est-ce que je... Ah, il me l'a détruit le con. D'accord. Ils sont tous en face apparemment. Il y en a un sur le toit je crois. On va passer par derrière. Ah j'en ai vu un je crois. On va se mettre accroupi. Je l'ai eu ou pas? Je crois pas que je l'ai eu. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah putain! Ah ouais, alors là, le robot plus le mec par derrière. Ouais, magnifique quoi. On va prendre lourd. Ouais, on va prendre lourd. On va changer un petit peu. Il y en a un tout de suite à droite. La sulfateuse. Bon, par contre avec le sulfateux c'est beaucoup plus lourd, hein. Le maniement est beaucoup plus lourd, ce qui est normal, l'arme est plus importante et plus lourde.
beaucoup de campeurs déjà, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça, c'était beau. Oh putain! Qui c'est qui m'a hit? Ah, qui c'est qui m'a hit là? Putain! Enculé. Peut-être que j'aurais pas dû prendre lourd. C'est bien ça, cette intro, on dirait qu'on descend d'un parachute. Comme ça on peut voir où sont les ennemis. Ah putain! Ça m'énervait ce Claude là. Et pourtant je le hit dessus quoi. Merde, j'aurais dû apprendre ça. Bon, c'est pas grave. Comment ça m'énervait le Claude là. De toute façon, on va bientôt s'arrêter là. Hein. Sinon, je vais dépasser les 15 minutes. Désolé hein, si vous sentez un peu de. Oh putain! Oh là là là, il a eu de la chance, hein. Mais tu se flattes, il a eu de la chance, hein. Je suis revenu en mitraillette. Voilà. Là, tout de suite là. Ah, là, là. Bon. Est-ce qu'il y a des connards par ici? Je mets à couvert. Apparemment, j'ai vu quelqu'un. Oh putain, j'ai fait la bite. Oh, ça c'était beau ça. Oh, bien joué le sniper. Je t'ai vu de très très loin. Bien joué le sniper. Allez, dernier hit et enfin dernière mort et après on s'arrête là pour ce test de Homefront. Donc dans la globalité c'était un bon jeu mais il n'y a pas de quoi. Oh putain le con. Oh putain le con, bien joué. Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat quoi. Il y a l'autre encore avec sa voiture là qui commence à m'énerver là. Si je pouvais lui niquer sa gueule là. Allez viens. Faudrait que j'essaye hein, ça en ligne. Bon, on peut pas le détruire. Bien joué. Ah ouais. Motus Fly, bien joué. Bien joué. J'aurais dû m'accroupir. Il y a Cloud à droite là, je vais me le faire celui-là là. Oh, l'eau n'est pas terrible. Oh, franchement, ils ont dû faire un petit effort quand même. Je sais pas depuis combien. Où est-ce qu'il est le... Je vois son nom mais je le vois pas. Ou pas. Ça c'était beau ça. Ah je lui ai détruit son truc. Je vais me mettre le gilet pare-balles. Ah oh, je tire comme un vrai noob. Oh putain. Ah oh, j'ai fait le noob là. Donc on va s'arrêter là avec cet acte de noobisme. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. C'était Letco et je vous dis à la prochaine. Ciao.